j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un concept de vidéo que j'adore et que j'avais trop hâte de faire. Aujourd'hui, je vais réagir à vos pires fails équestres. C'est-à-dire que sur Instagram, je vous ai demandé de m'envoyer des photos ou des vidéos de chutes, de refus, enfin bref, des trucs drôles quoi. Et donc, je vais réagir à ces vidéos ou à ces photos en vidéo. Je suis mais tellement contente de faire cette vidéo parce que moi j'adore les chutes comme ça, même si ça peut être dangereux parfois. En tout cas, vous êtes tous toujours en vie, donc il n'y a pas eu de risque dans ces vidéos, vous inquiétez pas, personne n'est mort. C'est pour ça que je la fais quand même, parce que je sais que tout le monde va bien. Malheureusement, cette vidéo ne va pas durer extrêmement longtemps, je pense, parce que vous n'êtes pas beaucoup à avoir participé à mon activité, ma vidéo, parce que du coup, j'ai proposé sur Instagram de m'envoyer des photos ou des vidéos, mais il y a très peu de personnes qui m'en ont envoyé. Donc bon, c'est pas grave, mais en tout cas, s'il y a d'autres personnes qui m'envoient après que j'ai fait cette vidéo ou des photos, s'il y en a beaucoup, je ferai sûrement une partie 2, mais après c'est à voir en fonction du nombre de personnes. Bref, j'arrête de parler, on commence maintenant avec la première vidéo. Alors la première vidéo, c'est mon amie Loane qui me l'a envoyée, donc on va de suite la regarder. Oh. Oula. Ben mince, désolée pour toi Loane, hein, tu es vraiment totalement tombée par terre. Je crois que c'était, le poney s'appelle Sushi si je me trompe pas. Oui, c'est Sushi le poney je crois. Je suis pas sûre à 100% mais je crois qu'il s'appelle Sushi. Je crois que c'est lui. Donc désolée pour toi Loane, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu ne t'es rien cassé. Mais voilà, une très belle chute pour commencer. Donc maintenant nous avons une petite photo pareil de mon amie, d'une de mes amies, Louise. Et donc là ce qu'il faut regarder c'est surtout sa tête, la langue sortie là. Là on peut dire que tu peux fermer ta bouche pour ne pas avaler des mouches. Non, c'était méchant. On passe maintenant à une petite vidéo. Donc une personne que je ne connais ben, pas, hein, qui me l'a envoyée. Mais on va de suite la regarder. Galop accru sur un poney, ça glisse. Et voilà, les poneys, le galop accru, on tient pas toujours très bien dessus, hein. Voilà. On passe maintenant à une photo, je vais essayer de faire une photo, une vidéo. Et là, nous avons une photo d'une chute pépite, apparemment le cheval qui nous a fait un refus. Là, tu te dis, je ne suis plus sur le cheval, je passe de suite sous le cheval. Et là, ben, on peut utiliser l'expression qu'on est sous le cheval. Ça n'existe pas cette expression Alban, mais c'est pas grave. Mais là, tu vas vraiment terminer sous le cheval. Je pense que ça a été le cas, hein. Tu t'es fait légèrement piétiner par ton cheval. Mais bon, c'est pas grave. Une vidéo maintenant, une vidéo que vous connaissez si vous me suivez depuis un petit peu de temps. C'est la chute d'Emma, qui était passée dans ma vidéo une après-midi de saut, je crois, avec nous. Dans cette vidéo, c'est passé, donc on la regarde maintenant. Regardez bien, trop drôle. C'est le dernier passage, avant-dernier. J'ai failli tomber. Moi, c'est surtout genre, rien que la chute est drôle, mais aussi ce que je dis, ça me fait trop rire. Genre, je fais, elle commence à tomber, et je fais, oh là là, ça va, ça va. Mais non, Alban, elle va pas bien, elle tombe, comment ça pourrait aller bien? Enfin, je suis trop bête. Vraiment, quand elle tombe, je fais, oh là là, ça va, ça va. Après, petite photo, et là, je t'ai pris un refus. Et en même temps, comme tu t'es dit, il va sauter, tu as commencé à te mettre en suspension. Sauf que le cheval n'a malheureusement pas sauté et donc t'es passé un peu au-dessus. Je sais pas, parce que peut-être que s'il faut, tu t'es rassis dans la selle après. Enfin, je dis tu, mais la personne sur la photo. Peut-être qu'elle s'est rassise dans la selle après, je ne sais pas, ou est tombée par-dessus malheureusement. Je sais pas. Donc maintenant, une petite vidéo. Donc on la regarde de suite. Oula, ça part mal déjà. Je sais pas pourquoi ça part mal. Ouais, ça part mal. J'ai peur. Oh là. Je m'attendais pas à un saut en fait. Moi, j'imaginais juste qu'ils allaient faire du galop dans la carrière et que le cheval allait ruer. Mais pas du tout, c'est un saut. Attendez, je la re-regarde.
Waouh. Ah oui, j'espère que tu vas bien, que ça fait pas trop trop mal parce que quand même le saut que tu t'es pris, ça fait mal, je pense. Une autre petite vidéo. Ok, oh là. L'airbag, il a bien éclaté. Je crois que c'est ça le bruit. Oui, c'est ça. Ah oui, l'airbag, là, il fonctionne bien, on l'entend bien. Bon là, nous passons maintenant à la dernière vidéo. Je triche un peu parce que je ne suis pas censée mettre une vidéo de moi, mais c'est pas grave. On triche, c'est pas grave. Alors je précise juste que sur cette vidéo, parce qu'on comprend peut-être pas trop, mais en gros je suis censée aller sur les deux obstacles qu'il y a au milieu de la carrière. Je suis censée, enfin du manège, pardon. Je suis censée aller sur ces deux obstacles, mais moi, ben en fait, je tourne pas et du coup, je vais sur le côté. Je vous ai tout spoilé, mais c'est pas grave. C'est juste parce que sinon c'est pas trop compréhensible parce que je saute quand même en obstacle, mais c'est pas celui-là. Enfin bref, je vous montre. J'ai juste oublié de préciser que c'était il y a 5-6 ans, je devais avoir 8 ans. Alors, donc voilà, là c'est au manège mes cours d'avant. Moi je suis là-bas, là, en train de trotter. Et là je suis censée aller sur des obstacles au milieu. Sauf que je tourne pas et je vais sur l'autre. Je suis pas douée. Je suis pas douée. Mais bon, personne n'a le droit de se moquer parce que j'étais petite, j'avais pas un niveau très élevé en étant petite. Mais bon, je suis censée quand même savoir tourner et faire une diagonale pour aller sur deux obstacles au milieu. Non, je n'ai pas réussi. Bref, voilà. Oui, je sais, il faisait jour juste avant cette petite partie de vidéo. Mais en fait, c'est juste que là, on est beaucoup plus tard après ce que je vous ai filmé juste avant. C'est juste que j'ai oublié de filmer juste une vidéo. J'ai oublié de réagir. Je suis trop bête, donc on va le faire maintenant. Oh. Ah oui, elle est restée coince. Attends, elle est sous le poney. Oh. Oh non. Oh non, même le filet s'est enlevé. Attends, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Elle a essayé de descendre par l'avant, je crois. Et du coup, en descendant, elle a tiré sur les rênes et le filet s'est enlevé. Je me dis là, mais qu'est-ce qui se passe? Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une partie 2 de ce type de vidéo. Parce que moi, en tout cas, j'adore. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de commenter, de mettre un petit pouce à cette vidéo. Et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Voilà, bisous!